Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette leçon où on va voir la possibilité d'obtenir de l'électricité par les cellules photovoltaïques à partir de la lumière artificielle des lampes. Alors, en absence du soleil, est-il possible que les panneaux solaires peuvent fonctionner avec de la lumière artificielle Dans cette vidéo, on va répondre à cette question en analysant quelques-uns de ces faits. Afin de vous donner une bonne référence de l'impact de la lumière artificielle sur les performances de l'énergie solaire. Premièrement, nous devons aborder certains facteurs techniques. Premièrement, le rendement quantique des cellules solaires. Deuxièmement, spectre d'émission des lampes. Et troisièmement, éclairement énergétique des lampes. On va commencer par la notion du rendement quantique des différents types de cellules solaires le spectre du rayonnement solaire peut être divisé en plusieurs régions selon les longueurs d'onde des ondes électromagnétiques qui atteignent la terre, comme vous pouvez le voir sur cette figure. nous pouvons remarquer que les valeurs d'éclairement énergétique les plus élevées peuvent être obtenues dans la région de la lumière visible. cette région contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et comprend des longueurs d'onde qui vont de 400 jusqu'à 700 nanomètres. Sur la base de cette approche, la plupart des fabricants de panneaux solaires se concentrent sur la maximisation de l'absorption de la lumière dans la région visible. Cependant, les panneaux solaires peuvent également être conçus pour absorber de la lumière dans des longueurs d'onde plus larges. Comme nous pouvons le voir dans cette figure, certaines des technologies de panneaux solaires les plus courantes comme les modules monocristallins et polycristallins sont capables de couvrir une gamme plus élevée de longueurs d'onde, y compris la lumière visible. Ils peuvent également inclure des longueurs d'onde dans la région du proche infrarouge jusqu'à 1200 nanomètres. D'autres technologies à couche mince, populaires, telles que le CIGS et CDTE, peuvent également couvrir ces régions, bien qu'avec moins d'efficacité. Les cellules amorphes ASI et l'arsenure de gallium GAAS à colorant DSSC et organiques sont principalement limitées à la région visible de la lumière. La deuxième notion à connaître est le spectre d'émission de différents types de lampes. Premier type de lampes est la lampe A. Incandescence qui contient un filament de tungstène qui est chauffé de manière résistive lorsqu'un courant le traverse à des températures d'environ de 2000 Kelvin. Le filament commence à émettre de la lumière visible. Pour éviter que le fil de tungstène ne brûle, l'ampoule est remplie d'un gaz, généralement de l'argon. La chaleur générée dans le filament est transportée vers l'environnement par rayonnement, convection et conduction. Ce type de lampe est généralement défini dans un spectre de longueur d'onde de 300 à 830 nanomètres, ayant son pic dans la région infrarouge de la lumière. Deuxième type de lampe est la lampe fluorescente. Elle se compose généralement d'un long tube de verre contenant un mélange à basse pression de mercure et d'un gaz rare, tel que l'argon. À l'intérieur de ce tube, une décharge hors d'équilibre est produite, c'est-à-dire un plasma. Cela signifie que la température des électrons est différente de la température des mélanges gazeux. La lumière visible est produite par deux mécanismes, émission optique directement à partir de la décharge ou par excitation de l'immonophore à la surface du tube. Le spectre d'émission dans une source de lumière fluorescente semble plutôt étrange. La quantification est soit due à l'émission directe du plasma, soit par les luminophores. Mais pour un œil humain, la lumière émise semble toujours blanche. Comme les ampoules à incandescence, les ampoules fluorescentes peuvent être inefficaces, car le plasma doit être soutenu, et il émet un rayonnement dans la plage non visible. Troisième type de lampe est les lampes à LED. Elles sont tellement plus efficaces que les autres types de lampes car elles fonctionnent de manière très différente. Les LED sont des dispositifs semi-conducteurs qui émettent de la lumière lorsque les électrons de la bande de conduction traversent la bande interdite via une recombinaison radiative avec des trous dans la bande de valence. Contrairement aux ampoules à incandescence, les LED émettent de la lumière sur une gamme très étroite de longueur d'onde. Comme le montre ce graphique, le spectre des LED pour un réglage de phosphore jaune se rapproche de celui de la lumière naturelle du jour. Il n'y a plus de lumière bleue et presque toute la puissance est émise dans le spectre visible. Dans cette figure, les différents spectres d'émission sont tracés sur le même axe, bien qu'aucune des lampes ne reproduise exactement la lumière naturelle du jour. Lampe LED est clairement la meilleure approximation. Toutes les émissions se produisent dans la plage visible, ce qui rend l'appareil très efficace. Troisième notion importante à savoir est l'éclairement énergétique des lampes. Pour que les cellules photovoltaïques génèrent de l'électricité, il faut qu'elles reçoivent des valeurs de l'éclairement plus de 100 watts par mètre carré jusqu'à 1000 watts par mètre carré, la valeur maximale qui peut être assurée facilement par le soleil. Cependant, lorsque nous le comparons aux valeurs de l'éclairement énergétique des différents types de lampes, nous pouvons remarquer que beaucoup d'entre eux ont des points irréguliers qui ne permettent pas une absorption douce de la lumière. De plus, des valeurs sont en milliwatts par mètre carré évaluées à 500 lux. En les multipliant par des longueurs d'onde en nanomètres, on obtient des valeurs inférieures à 30 watts par mètre carré, qui sont très petites par rapport aux éclairements énergétiques du soleil. À titre de référence, prenons un exemple d'un stade de l'UFA Champions League qui peut avoir un éclairement moyen de 2000 lux. Et si on multiplie les 30 watts par mètre carré, estimé à 500 lux par 4, pour obtenir environ 2000 lux, alors on obtiendrait qu'environ 120 watts par mètre carré, valeur d'éclairement énergétique qui est encore très faible. Donc, pour répondre à notre question, peut-on obtenir de l'électricité à partir de la lumière artificielle des lampes la réponse est oui, possible, mais il faut que les lampes produisent une énergie lumineuse supérieure à 2000 lux pour pouvoir générer plus de 100 watts par mètre carré. Mais cela reste très faible et aussi non rentable par rapport à ce qu'on obtient par l'énergie solaire. Voilà, c'était la fin de cette leçon. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la prochaine leçon. اذا استفدتم لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه شكرا الى الدرس القادم باذن الله